Bonjour, alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter une table de ping-pong que je viens d'acheter. Il s'agit de la marque Cornillo. Il s'agit du modèle Challenger Outdoor. Pour la déplier, le mode de fonctionnement est simple. On a un petit bouton ici, vert, que l'on va venir remonter de part et d'autre. Ça libère une petite goupille ici. Et on va ensuite pouvoir la déplier. Le bouton vert qui est ici vient s'enclencher. On fait de même de l'autre côté. Et on a à nouveau le petit bouton vert qui s'enclenche. Pour la replier, même système. On appuie sur le bouton vert, cette fois-ci, du haut. On libère le cran de sécurité. On fait de même de l'autre côté. Et on peut venir remonter le plateau. Sur la partie basse des pieds, un système ici de pieds à filetage, une sorte de petit vérin, va venir permettre de régler la hauteur de positionnement de la table. Qui est indispensable pour un sol qui n'est pas forcément régulier. Les roues sont libres et peuvent se mouvoir dans toutes les directions. La tension du filet peut se faire à l'aide d'un système muni d'une cordelette et d'un petit système d'accroche. On retrouve dans le pied de table un espace dédié au stockage des raquettes. Sa position semi-ouverte permettra de jouer en solo. Voilà, donc il s'agit d'une table outdoor, mais je conseille quand même de la laisser soit en intérieur, soit, comme je préconise de le faire, sous un abri. Ici, je l'ai mis sous un abri voiture avec une bâche de protection. L'hiver, la laisser constamment sous la pluie, voire sous la neige, même si c'est une table outdoor, je pense que c'est pas une super idée. Voilà, sinon globalement je suis satisfait de mon achat. Cornillo, c'est une marque de tennis de table assez connue. Les produits sont de qualité. Voilà, c'était juste pour pouvoir vous présenter ce modèle spécifiquement. Voilà, bah, j'espère que j'aurais pu vous aiguiller un petit peu plus sur peut-être votre futur achat. Voilà. À bientôt, au revoir.